C'est quand même impressionnant de penser que la fête des vendanges Magog Offered en est à sa 22e édition. Ça se déroule encore sur deux fins de semaine à la Pointe Mary à Magog et on peut y rencontrer toutes sortes de gens passionnés. On a justement parlé à deux personnes très convaincues. Donc, la fête des vendanges est là pour nous permettre de promouvoir le vin, la bouffe et tout ce qui va avec parce que la fête des vendanges, c'est une fête. C'est intéressant. Donc, je pense que la raison pourquoi la fête des vendanges dure aussi longtemps, c'est le public, le Québec qui veut bien manger. Avec les produits du terroir, on doit cuisiner avec les ducs de Montrichard, certainement. Les chefs doivent utiliser vos produits, oui, Sandra. Oui, pour l'événement de la fête des vendanges, justement, j'ai deux chefs vedettes qui seront en prestation à l'Académie gourmande Provigo. Dans le Vegas, on va avoir deux vins internationaux et un vin du Québec. Je challenge tout le Québec à essayer de trouver lequel est le vin du Québec. Le vin du Québec est le même prix que les deux autres. Puis je vous jure, il n'y a pas de différence au niveau de la qualité. Les visiteurs de la fête des vendanges vont arriver ici avec une coupe de vin en main. Ils vont nous demander, bon, OK, ben moi, je suis allée me chercher un tel type de vin. Qu'est-ce que vous me suggérez? Et c'est ça qui est intéressant parce que souvent, on est à la SAQ ou on est dans un, chez un vignoble, on a une sorte de vin ou on a deux, trois. Là, on a tout ensemble. On a tout. Donc, on peut partir avec notre coupe, aller chez un producteur de chocolat parce que le chocolat avec le vin, c'est délicieux aussi. Et les rillettes aussi, semble-t-il. Là, vous avez amalgamé ça aussi. Tout à fait. Donc, c'est l'histoire d'un repas. Ici, c'est un trip de papier. Excusez-moi l'anglicisme, là. C'est vraiment un trip de papier que nos visiteurs viennent vivre. La passion, je pense que de tous les vignerons, de tous les artisans agroalimentaires qui sont ici ce week-end, ou les week-ends de la fête des vendanges, c'est pour parler de notre passion, puis de la transmettre, puis de garder la bouffe autour d'une table. C'est la fête à la maison, c'est la fête ici aussi. Cette année, espace cocktail, on veut attirer les jeunes, on veut que ça soit... Donc, on va avoir un espace cocktail où on va avoir à 1h et à 5h des exposants qui vont venir faire des cocktails. Est-ce que vous avez déjà goûté à des cocktails au thé? Non! C'est malade! Il faut goûter à des cocktails au thé, c'est délicieux! Donc, on invite les gens, puis je vous inviterai, mesdames, à trinquer à la fête des vendanges. On les invite à venir encore Santé. Une fois. Wow! Quelle belle rencontre! Et c'est pas fini, on va en avoir d'autres pour vous. Ici Julie Normand pour estrieplus.com.